Grand point cap dominé actualité à l'académie, ça, mesdames, messieurs, en pile zam saisi, bandit prend courir et barbecue là, mesdames, messieurs, dans gros chaud là, parce que y a traqué monsieur sérieusement là, dans Badelma, et bien la police en sait tout, et Kenya yo, enragé là, mesdames, et messieurs, amis internautes. L'autre élément cap dominé actualité a gagné également. Et la fumée qui continue à monter dans la zone et gagne également un Kafou aéroport qui blanche tant pour coton et médecin sans frontières, mesdames, messieurs, amis internautes, rile en moué là, mesdames, messieurs, yo obligé font camper dans la capitale parce que bagay la trop pour yo, mesdames, mademoiselles et messieurs, amis internautes. Dominique continue avec traquer. Capable dit tout haïtien et yo mesdames messieurs dans la République dominicaine nous gen son ak image mesdames messieurs nous pral montre qui qualité péripétie que frère non action nous a continué passer autorité yo pour que j'aime faire les nécessaires pour capable permettre que population li rale on souffle. Finalement, Kenya yo qui mette pied yo à terre et gagne récupération que yo fait, mesdames, messieurs, en termes de territoire. Et bien, gros bravo pour Kenya yo, mesdames, messieurs. Et bien, comme étant donné qu'on est wall, nous c'est bon son avec image. Et bien, nous gagne son avec image. Nous pral fournir une cause, mesdames, messieurs. Entre temps, nous avons abonner, partager, liker, commenter pour capable de toutes les dernières informations sur réalité info et réseau Maman Pemba, mesdames, messieurs. Et bien, mesdames, messieurs, entre temps, quittez nous saluer toutes les amis internautes qui quatre coins la terre. Et qui c'est ça qui est dans les États-Unis, qui la France, qui Canada, qui est capable de dire tribord par bord sous globe là, spécialement mon Chili, Mexique, Brésil, yo, mesdames, messieurs, et si là qui en République Dominicaine, et si là qui en Haïti, mesdames, messieurs, qui a monté au Massoufi, mesdames, messieurs. Sans transition, mesdames, messieurs, c'est ensemble de points ça que nous allons permettre que ou pral wè nan kat émission ça mesdames messieurs comme étant donné wòl non c'est bon son avec image en al gade en al tande mesdames messieurs zami internet Google MOE Google MOE n'a pas la case nan nani écoute écoute straight hello hello bro Google MOE Ay, mi madre. Esa gente se fueron para el monte, para ahí. Míralo ahí arriba grabando. No, pero un abusador lo va a matar. Recommandement à la police là, adopter plusieurs mesures pour contrecarrer gang criminel yo. Dans ce sens, plusieurs unités spécialisées dans le PNH ont intensifié l'opération dans Badelma pour démanteler chef gang vivant ensemble barbecue.
Dans cette opération, jeudi qui était 21 novembre 2024, là, il y a plusieurs bandits qui sont mortellement blessés dans le cas d'échange de tir avec la police nationale d'Haïti. Et il y a deux noyaux qui sont Tidiab et Tichinal qui sont mortellement blessés. Dimanche 24 novembre 2024, là, agent Lodjo t'a poursuivi avec l'opération dans Fièvre Gang Vive Ensemble dans la zone Delma 6, côté agent Lodjo démoli plusieurs matériels dans la base gang Silla. Gagné 13 âmes qui confisquées dans le cadre d'opération que la police a menée dans la zone Badelma. Parmi eux, yon AK-47 de Mak Kalachnikov qui était pour chef gang Vive Ensemble. Plusieurs munitions saisies, gen 3 drones la police saisie, gen 7 machines et 3 motocyclettes la police confisquées. Parmi eux, yon camion forward que bandi Vive Ensemble ont utilisé pour tenter envahir Delma et Pétionville, que nous tous connaissons que la police a intercepté camion ça. Yon quantité substance qui assimilé à marijuana. Il y a plusieurs saisies qui fait dans l'intervention de la police. Dans notre commandement, la police a profité de saluer le courage vaillant policier qui engagé dans la bataille pour arriver à établir la paix dans tout le pays. Sans oublier, même dans la population, aujourd'hui, à travers le mariage de la population qui engagé bon côté la police nationale d'Haïti dans quatre batailles que y a mené contre gang améo dans pays. La police pas baisser les bras, la police a toujours campé bon côté population et grain bagaille que n'a dit monsieur yo, c'est que la police a privé sous yo. Nous pas gain jour, la police pas gain jour, li pas gain date, li pas gain l'heure. La police à travers plan que le gagné et bien à privé sous tout monsieur Sayo qui a simé d'œil en mi-temps population. Alors c'est une décision que nous avons prise évidemment à regret, c'est une décision très douloureuse et malheureusement elle intervient à la suite d'une succession d'incidents sécuritaires très graves qui ont affecté notre personnel et également des patients qui recevaient des soins dans nos établissements ou dans nos ambulances. Plus particulièrement, il s'agit d'un incident qui s'est produit le 11 novembre, très exactement, au cours duquel 3 patients ont été extraits d'une ambulance de Médecins Sans Frontières et au moins 2 d'entre eux ont été exécutés. Et au cours de cet incident choquant, nos équipes ont été directement prises à partie. Elles ont été agressées, elles ont été menacées de mort. Et même menacée de viol. Et donc ça, évidemment, c'est absolument intolérable pour nous. Malheureusement, à la suite de cet incident, nous avons eu à déplorer également, dans les jours qui ont suivi, des menaces qui ont continué à l'encontre de notre personnel, du personnel de Médecins Sans Frontières. Et nous avons pris ces menaces très au sérieux. Il était évident que nos équipes ne travaillaient plus dans des conditions de sécurité acceptables. Et c'est ça qui nous a forcés, et j'insiste sur le terme forcé, à prendre cette décision de suspension. Nous savons bien que la suspension des services de MSF va tout simplement aggraver la crise humanitaire, certainement, parce que les besoins médicaux, les besoins en santé augmentent. Alors, est-ce que vous avez quand même des sites ou encore des structures qui restent ouvertes? Oui, nous sommes bien conscients de l'impact de cette décision. Et nous ne sommes pas les seuls à avoir dû fermer nos portes, malheureusement. Donc j'exprime ici aussi une grande solidarité à l'égard des autres institutions de santé, des autres soignants qui ont dû mettre un terme ou en tout cas mettre en suspens leurs activités. La seule structure qui reste pleinement ouverte, c'est la maternité de Port-Rapiment dans le sud. Mais pour ce qui concerne la zone métropolitaine de Port-au-Prince, malheureusement, toutes les structures de Médecins Sans Frontières sont fermées, la porte est fermée. Donc ça concerne le centre d'urgence de Turgeot, l'hôpital de Tabar qui prend en charge les grands brûlés mais aussi les cas de traumatologie, l'hôpital traumatologique de Carrefour,
le centre d'urgence de Cité Soleil, la clinique Pradmen pour les victimes de violences sexuelles et les cliniques mobiles que nous menions dans le bas d'Elma, la zone de et d'autres zones pardon du centre-ville. Donc là, la porte est fermée. Bien évidemment, les patients qui étaient déjà hospitalisés dans nos structures avant la fermeture reçoivent toujours des soins, mais il n'y a plus de nouvelles admissions. Mmh. Alors, cette décision affecte combien de personnes? Combien de personnes recevez-vous en moyenne par mois? Alors, par mois, le chiffre m'échappe, mais en tout cas, par jour, je pense qu'on peut facilement compter 150 patients par jour. Mmh. Est-ce que c'est à Tabar ou à Turjo ou c'est globalement? C'est pour l'ensemble des structures. C'est pour l'ensemble des structures. On reçoit en moyenne 150 patients par jour. Alors aujourd'hui, vous avez pris la décision de fermer ce centre, encore les services, vous avez suspendu ces services. Comment évaluez-vous la sécurité du personnel? Est-ce que le personnel est toujours en danger jusqu'à présent? Alors, c'est une excellente question et c'est difficile à évaluer. Nous avons, enfin Médecins Sans Frontières, nous avons environ près de 2000 collaborateurs sur place, en Haïti, majoritairement dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Et la sécurité de chacun, de chacune d'entre eux, c'est évidemment notre priorité absolue. Tant qu'il y a des menaces sur le personnel, on ne peut pas considérer qu'il est en sécurité. Bien sûr, depuis la décision de la suspension, nous n'avons pas eu d'incident, mais évidemment, puisque le volume d'activité est extrêmement restreint, voire non existant. Mais aujourd'hui, je pense que tant qu'il n'y a pas un message fort pour dénoncer ce qui s'est passé et appeler au respect, explicitement au respect des structures médicales, des soignants, des chauffeurs d'ambulance, je crois qu'on ne pourra pas se sentir pleinement en sécurité. Normalement, on sait, c'est une information qui est partagée à travers le monde, donc en ce qui concerne les assauts des gangs sur les centres hospitaliers, est-ce qu'aujourd'hui, les dirigeants haïtiens notamment, les autorités policières, est-ce que ces autorités n'ont pas eu la chance de converser, d'avoir une discussion avec MSF après ce qui s'est passé, l'incident? Tout d'abord, je tiens à souligner que nous avons un immense respect pour le travail qui est mené par les autorités, par la justice, par la police. Et il n'y a jamais eu de volonté de notre part de faire obstruction à qui que ce soit. C'est très important pour moi de le dire. Suite aux incidents que j'ai décrits un peu plus tôt, nous avons été reçus par les autorités, y compris au plus haut niveau. Le dialogue est ouvert, il est constructif, et nous essayons ensemble de travailler à rétablir les conditions sécuritaires qui permettraient une reprise des activités de Médecins Sans Frontières à Port-au-Prince. C'est-à-dire que le retour des services dépend de la situation sécuritaire, où dépendrait-elle cette décision de reprendre du service à partir d'une excuse faite par les autorités concernées? Alors, nous n'avons pas demandé d'excuses. Nous, ce que nous demandons, c'est que le personnel soignant puisse travailler en toute sécurité, puisse soigner des patients en toute sécurité et que les patients aussi soient en sécurité. Un patient qui a encore besoin de recevoir des soins ne peut pas être extrait de force d'un service d'urgence ou d'une ambulance sans procédure et puis exécuté. Ça n'est pas possible pour nous d'accepter ça. C'est vraiment une ligne rouge. Ce qui nous rassurerait énormément, ce qui serait extrêmement positif, ce serait effectivement une dénonciation publique de ce qui s'est passé, de ces attaques contre nous, et notamment l'attaque contre l'ambulance, et un appel à respecter les institutions de santé, le personnel soignant, quel qu'il soit. Voilà ce que nous attendons, en tout cas ce que nous souhaitons vraiment fortement. Et bien sûr, nous souhaitons évidemment reprendre les activités. Encore une fois, la décision d'arrêter a été une décision très très douloureuse. En ce qui me concerne, même si vous l'avez dit, je suis basée à Bruxelles et donc je suis loin, j'ai travaillé longuement en Haïti, il n'y a pas si longtemps que ça. Je suis évidemment très attachée à ce pays et bien évidemment les 2000 collaborateurs de Médecins Sans Frontières qui travaillent en Haïti le sont bien plus que moi. Et que nous souhaitons plus que de pouvoir reprendre, mais on ne peut pas reprendre à n'importe quel prix. Il faut qu'il y ait des garanties sécuritaires pour nos équipes. Et si un message fort était lancé en ce sens, ce serait évidemment très, très positif.
Est-ce que cela voudrait dire que vous n'avez pas de date éventuelle afin de reprendre les services en Haïti? Non, il n'y a pas de date, effectivement. On souhaite reprendre au plus vite, mais comme je l'ai dit, on souhaite qu'il y ait ce signal fort avant toute chose. Voilà, mesdames, messieurs, amis internautes, toutes fanatiques, abonnés, Réalité Info, gros réseau à réseau, moment Péba, nous, là, toutes les pour nous capables de porter information au bas. Eh ben c'est ensemble des éléments ça que nous même nous t'ai porté pour dans cas d'émission ça pendant n'a dit que quittez un commentaire qui gagne à ouais avec un proverbe créole en bas vidéo pour nous pendant vous abonner partager liker commenter pour capable toujours joindre plus vidéo et permettre en pile l'autre monde joindre information à temps mesdames messieurs amis internautes. Bye bye tout le monde, à la prochaine, ciao.